Hey yo les gens, c'est Martin, on se retrouve sur l'île de Noël, les petits flocons. Pour continuer les étoiles de Noël, on va aider Grox pour obtenir l'étoile des Grincheux. Donc pour ça, on lui parle. Il dit, oh oui, qu'il en a marre. Il dit, votre joyeux Noël, qu'il soit passé, présent ou futur, pouvez-vous le garder? Je veux dire que c'est un vieux Grincheux. Il dit, non, je suis réaliste. Les vrais Grincheux, il y en a plusieurs sur l'île. D'ailleurs, il commence à me chauffer les oreilles. Il propose de l'aide. Vous m'avez l'air de ne pas avoir froid aux yeux. Si, je vous engage. Voilà un contrat. Et donc, dérangez OG Betty, donc celle qu'on a, les quêtes précédentes, en sous-revue classée. Non, en fait, les adversaires me semblent pourtant à votre mesure. Ouais, voilà, en fait, nous, on veut bien les classer. En fait, en fonction de votre niveau, votre tranche de niveau, ils vous proposent plusieurs adversaires, 3 ou 4 différents. Et moi, ben, niveau 140 à 200, environ, c'est OGBT. Donc on va aller à la faire. Justement, j'ai fait les quêtes précédentes, si vous suivez mes vidéos, exprès pour pouvoir débloquer en fait l'accès à sa grotte. Enfin à sa grotte, à son, ouais, à son refuge, quoi. Parce que de base, pour entrer là, il fallait faire des quêtes, une série de quêtes qu'on a fait précédemment. Donc vous lui parlez. On me dit qu'on a envoyé Dio, je vais te péter ta gueule. En gros. Hein. Un contre un, bon alors ça difficulte sa particularité à elle. C'est qu'elle tape au cas, elle fait mal, elle invoque un cas de baume qui nous tacle, mais sinon rien de précis quoi en fait, rien de ouf, hein. On va pas se mentir, pas de... y a rien quoi. Je vais essayer de me charger, tiens ouais, ouais vous avez raison. Voilà en fait, hein, je vais passer tous mes tours. Et en fait, quand vous la tapez, elle gagne, vous voyez, elle gagne des dégâts. 52 dommages infinis. Voilà, bah, c'est pas, y a pas, voilà. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi pleurer, tout ça. Oh merde. J'ai pas assez, non. Oh mais non. Putain, j'ai cru que j'allais réussir. C'est pas grave. Donc voilà, on l'a tué une fois, on récupère la bourse, on lui parle encore. Et on se casse et on va rendre cela à notre ami. Pour voir, pour avoir l'étoile. Et je suppose, je ne sais plus combien de fois, mais je suppose qu'il va falloir refaire ce combat plusieurs fois. 2, 3, 4, je ne sais plus. Combien de fois? Mais ça va d'aller. L'important. Cette... Ah, on sait pourquoi je rentre là, c'est de participer. Je suis sur l'étoile, voilà. Comme je ne donne jamais quelque chose gratuitement, c'est surtout passé. Je vous remets cette étoile si vous me ramenez en prime. Ah oui, non, c'est 7, voilà. Donc, on annonce que vous avez encore plus de travail. Eh bien, tu as réussi, mettez de côté, je vous reprendrai le tout. Si vous en récupérez d'autres, je vous reprendrai le tout. N'hésitez pas à revenir demain. Ouais, vous voyez donc ici, pareil, hein, proposer d'aller soigner les cloches aux Grincheux, aux JBT, on peut faire, on peut tous les faire, hein, si vous voulez, en fait. Il n'y a pas de problème, regardez, le cafard, dans son grenier. Partir affronter le cafard, on va aller, écoutez, on peut aller faire les 4 si vous voulez. Parce que le but, c'est juste, enfin juste, c'est de lui ramener 7 sacs. Donc, pendant ma vidéo, effectivement... Ah non, ça fait peut-être beaucoup hein, ça. C'est pas grave. Je mettrai en sous-vidéo, enfin j'essaierai parce que le titre va être trop long. Donc je mettrai ça en plusieurs vidéos. Le cafard Fadet ne veut pas rendre l'antenne. Vous avez compris? Rendre l'antenne, Farfadet? Non. Eh putain, c'est une autre quête. L'accès au réel est interdit en raison de sécurité, le non-respect des investissements vous expose à une amende de montant correspondant au karma que vous avez sur vous. Un moyen d'entrer dans le grenier. Ouais, on pourrait le faire, Capharnaüm. On fera cette quête là après, justement alors. Voilà, nickel. Mais donc sachez que je dois faire 7 fois ça. Et c'est tout. Pour avoir la fameuse étoile. Voilà. Donc, beaucoup des quêtes de cet endroit se font comme ça en fait. Hein, par répétition de quête en fait, donc c'est ça qui prend beaucoup de temps. Maintenant, gardez espoir, car l'esprit de Noël est avec vous. Allez, salut!